Bon, bienvenue à tous. Bon, maintenant, allons voir les trois derniers Mystic Pass que j'ai reçus. Sur les neuf. Vous montrez les six autres en même temps. Ah, il y a encore Speedy et Julie. Et Sacha. La deuxième fois que je la rencontre. Les Jeux Olympiques de Londres 2012. Bon, lui, c'est Speedy. 47e fois, c'est beaucoup quand même. Bon, Pokémon Ruby Omega. Julie, ça fait la 22e fois. Lui, c'est sur Pokémon Rose, son dernier logiciel utilisé. Je suis rendu à 2355 Strict Pass. Rencontre. Bon. Allons voir maintenant. Oups, attendez. J'oubliais. Bon, il y a eu ces trois-là que j'ai rencontrés aujourd'hui, puis les six qui sont en arrière. Donc, Twist, Lila, un nouveau qui est Gadriel, qu'on va aller voir. Son dernier style utilisé est Steel Diver, rencontré il y a 4 heures. Rencontre Strict Pass 4 et mis dans la place 5. 23 octobre, sa date de fête. Et c'est Gadriel, le créateur de Semi. Il y a Cédou. Lui, son dernier seul utilisé, Pokémon Red Version. Ouais, l'ancien jeu sur Game Boy, dans le temps. 377, rencontre Strict Pass. 323 mis dans sa place. Sa date de fête est le 28 juin. Et c'est à peu près tout. Ouais. Bon, allez, on va aller voir les jeux. Et ces trois-là ont aucun des jeux que j'ai. Aucun jeu que moi je possède. Mais, même si on n'a pas le jeu de pêche légendaire, il y a une chance sur trois que l'un d'eux me dise qu'il y a un poisson mystère qui a été découvert dans l'une des îles du jeu. Moi, j'ai utilisé pour aller pour la nouvelle couleur de cette fleur-là. On dirait bien que ça va être la nouvelle couleur de cette fleur-là. Yé, une nouvelle couleur! La dame violette. Et je vais recevoir une fleur. Pas une fleur, une graine. Qu'est-ce que je dis là? Ça a juste pris 2 mi. Pour que la graine éclore. Cette fleur dégage un parfum apaisant et se révèle être une plante médicinale efficace. De nombreux mots. Ouais, c'est une très bonne fleur. Allez, je fais ma mise à jour dans mon journal. Troisième couleur pour la dame violette sur 9. De possible. 9 couleurs différentes. Oh! C'est encore une dame violette. Et la plante parente sert donc de nuit. Donc, j'en ai pas besoin, je vais la vendre pour 600 G. C'est la première fois que vous que cette espèce fleurit dans cette couleur. Oui, je sais. Merci. Une félicitation à chaque fois. Voilà, les graines luisantes se vendent à un prix très avantageux. Bon, je serai 2413 invités dans le jeu. Alors maintenant dans Manoir Monstrueux. Bon,
Deux blancs, un rouge. Ouais, dans la partie précédente avec les 6 mi, j'ai reçu un cadeau de la part d'un des mi parce que je faisais équipe avec quelqu'un d'autre. Après, j'ai demandé un item, puis savez-vous qu'est-ce que tu m'as donné? Un pot de peinture pour changer la couleur de ma pièce. Je vais aller voir s'il y en a qui sont avantageux. Oh, le gros thé. Bon, emprunter les escaliers. Je m'en vais retourner à l'étage 8. Mon point de départ est la pièce noire. Devinez ce que je vais faire. La grosse forme en T, je vais la prendre. Je vais changer de couleur. Je fais objet. Peinture arc-en-ciel. Je le mets en noir. Comme suit. Lui, c'est un blanc. Voilà Speedy. Non, c'est Sacha, excusez-moi, le premier mi de la rangée. Il me donne 21 gemmes. Et voici qu'est-ce qu'il a trouvé. Un cassette, le numéro 50. Ouh. Je me demande si je vais réussir celle-là. Ouh. Bon, après 46 minutes de jeu, ben j'ai pas réussi à trouver la solution à mon problème. Bon. Allez prendre une autre pièce. Bon, un pistolet de gigawatt. Ok, rien d'intéressant là. Voyons donc, on a un pain de désert, 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 on a
Bon, ok. Bon, pièce obtenue 3 et coffre ouvert 3. On va se rejoindre pour pêcher les gendarmes dans une prochaine vidéo.